Bon allez YouTube, j'ai recommencé l'enregistrement. Le premier try que j'ai fait était ridicule. J'ai tout raté. Je me suis transformé en boule à la place de viser. Et vice versa, j'ai raté tous les trucs. Et là c'est pareil en fait. Ok, j'ai pas trop perdu là. Mais c'est pas fou, mais on va dire que j'ai pas trop perdu. Ok. Je pense que j'ai qu'une barre en moins là. Ça par exemple, je trouve ça dégueulasse parce qu'en fait, à peine on arrive, il nous casse le cul. Je trouve pas très cool. Ça me gêne pas de morfler, mais alors là... c'est un peu démesuré. J'ai voulu essayer de faire comme ça et ça marche pas quoi. On m'a dit que c'était mieux de le faire avec les missiles et en fait moi quand je suis avec les missiles je sais pas pourquoi ça marche jamais. Voilà. Ah je fais plus avec les missiles, ça sert à rien. Le problème c'est que ça met un temps fou quoi. Comme ça, sans les missiles, ça met un temps fou. Et moi je veux bien, mais voilà. En fait, dès que je fais n'importe quoi. Voilà. Je crois que je vais arrêter le jeu, je vais plus jamais jouer. Moi l'intérêt c'est que la phase elle soit pas aussi longue en fait. Là j'ai une phase de fou furieux. En fait ça t'a fait 300 fois que je me trompe de bouton. Là j'ai voulu en fait dasher à la plage des sauter. J'ai voulu sauter à la plage des dasher. Comment se tromper franchement je me pose la question. Les boutons c'est vraiment pas les mêmes. J'ai quasiment plus de vie, je viens d'y penser dessus à plus là. Oh là là, j'ai perdu encore des HP. Là, je suis mort. En fait, ça sert à rien, la dernière phase est horrible. Vas-y, je me laisse tuer. Je me laisse tuer. J'arrive pas à la dernière phase et là, j'arrive même pas à passer la moitié de la première là. Enfin, la moitié de la deuxième. C'est vraiment incompréhensible. Tout à l'heure, ça allait bien et là. J'arrive plus à rien faire. Vraiment incroyable. Du coup, on va essayer de le prendre tranquille. Voilà. Donc maintenant, on sait que dès qu'on arrive, il essaie de me casser la gueule. Voilà. Ah ben là j'appuie sur triangle et ça marche pas. Ah ben enchanté. À me baiser la gueule encore là. Bon c'est pas grave, j'ai perdu que trop peu de HP.
Ah oui, vu que je l'ai pas tapé tout à l'heure, ça a pas marché. Bah super. Voilà, je suis très content là. Bah super, vas-y, hein, moi je tire. Hein. Et voilà. Ok, j'ai pris une... j'ai repris une partie de ma vie. Je pense que j'ai quasiment tout. Bah super. En fait, j'aimerais savoir pourquoi il saute pas deux fois, En fait, je sais pas pourquoi je galère autant avec le double saut, c'est incroyable hein, de galérer autant. Je sais pas si ça te le fait, le Warrior, de galérer autant avec le double saut. Mais moi, je... chaque fois, je fais le premier, mais jamais le deuxième. Hein. Jamais correctement. Alors là, c'est bon. Que la mécanique du double saut elle est pas simple en fait à appréhender, et je trouve que c'est une des complexités du jeu en fait. Ça m'arrive de temps en temps, ok. Alors vraiment, moi je trouve que ça m'arrive trop souvent quoi. Et en fait, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, quoi. C'est vraiment incroyable. Là, par exemple, je me suis raté. Voilà, je me suis raté et j'ai pris une énorme salve de merde. Ça, c'est vraiment terrible, quoi. En fait, je trouve qu'ils ont mélangé trop de compétences qui sont similaires, en fait, dans les boutons. Genre, le double saut, faut aller forcément vers l'avant et ensuite double sauter. Mais des fois, ça m'arrive de sauter. Et en fait, il y en a rien à foutre. Alors, rien n'a branlé. Là, tu vois, par exemple, j'ai sauté deux fois. Et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et je devrais, en fait, avoir les boutons. J'ai normalement un raccourci. Enfin, j'ai un add-on sur Twitch. Qui me permet de voir, en fait, ce que je fais avec les manettes. Et en fait, ça le fait uniquement sur des manettes PC. Mais franchement, les manettes Switch, ça fait vraiment plaisir de voir comment je joue, parce que j'appuie quoi, j'appuie sur les boutons. Hein. Et voilà, là j'ai topé, je comprends pas. Et latéralement. Et j'ai perdu, je sais pas, là déjà 60% de mes HP. J'aurais pu essayer plutôt de faire ça. Hein. Je saute pas quand il me fonce dessus. Je fais la glissade. Ah oui, c'est pas con ça. Là par exemple, moi j'ai inversé. J'ai inversé mon truc là.
Elle veut pas exploser cette boule là du cul là. Franchement la boule, faudra que tu me dises comment on fait pour la pour l'exploser. J'arrive pas à la tuer et en fait chaque fois ça me bute. Pour la boule, c'est 4 missiles. Putain. 4 missiles. Déjà que j'arrive pas à sauter, alors si en plus je fais la glissade, c'est la peine à réco. Ça de me casser autant la gueule. Ok. J'arrive à placer des missiles, ça mon problème c'est que j'en place jamais. Alors, qu'est-ce que tu me fais voir? La merde hein. Tu me fais vraiment transformer ou pas? Ah moi j'ai vraiment du mal à appuyer sur le missile et à faire le tir en même temps. Là que je suis bourré. C'est vrai que quand tu regardes, j'avais des missiles ou pas grand chose, je m'en sers jamais. Je m'en sers strictement jamais des missiles. Prévoque gros con. Mais merde. S'il te plaît, s'il te plaît.
Ok, let's go. Ok. Ça. Oh, j'étais tellement concentré. Oui, dis-moi, dis-moi. Allez, pousse! Oula, j'absorbe la planète complète là. Wow. Oula, je suis assez monstrueux là. Oh. Non mais je faisais 2000 kilos là, de muscles. Oh GG, merci les warriors. Et en vrai c'est grâce à toi. Pour les missiles, pour les boules, et de me dire de me servir plus de missiles. Et de la glissade. J'ai été moins en colère parce que je t'ai écouté. C'est pas fini le boss là? Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, mais j'ai un pouvoir de fou furieux là. J'ai un pouvoir de fou là. Oh! Mais je suis trop un dieu maintenant. Samus Aran, le dieu. La déesse même. De côté? Non. C'est de quel côté? Là-bas. Ah ben non. C'est en haut. Oh ! Ah oui ! Ah d'accord.
Bah let's go. Let's go Samus Aran. C'est pour aller où là? Ah j'aime pas ça, ce jeu de stress là. Ah j'ai jamais aimé ça moi. C'est la partie que je déteste le plus dans les Metroid. Et il stresse encore plus, sauce pour Halo quoi. Mais non, c'est là. Attention à la mousse! Mais ça va, j'ai compris qu'il y a une urgence. Pas besoin de casser les couilles. Ok, une minute. Ok. Wouh! Non. Tu viderais le vaisseau de son énergie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça serait vraiment le feu que je regarde une vidéo sur les Metroid et son histoire quoi. J'ai complètement oublié tout quoi. Est-ce qu'on peut créer un moment pour ça là? J'aimerais bien créer un moment. Est-ce que c'est possible? Voyons si je peux le faire. Ouais, le supplice est fini. Wouhou! Est-ce qu'on peut créer un moment pour ça, là? J'aimerais bien créer un moment. Merci, Lucrisa, merci. Est-ce que c'est possible? Si je peux le faire. J'ai complètement... Eh ben super. Content d'avoir fini ce jeu quasiment à 100%. Vraiment cool. Vraiment cool. Merci à tous d'avoir été là pour suivre ces péripéties sur Metroid et de m'avoir aidé et soutenu. Dernier boss très dur, certains moments que j'ai pas réalisé dans le jeu, c'est à dire les 4 parcours là bizarres hein, pour essayer d'avoir les derniers petits trucs, ben voilà quoi, rien de fou. Donc du coup merci des quelques conseils dispensés pour que je puisse terminer ce dernier boss qui était vraiment chiant. 50 minutes horribles là quasiment. Donc ça, pas simple. Et non, en vrai, vraiment cool le jeu.
Par contre, moi, ce qui me fait toujours chier chez... dans les Metroid, c'est qu'il y a eu le 1, 2, 3, 4. Metroid Dread, je sais pas trop quel numéro c'est. Et après, il y a eu les Prime. Et en fait, moi, j'ai fait le Metroid sur Super NES. Et sinon, j'en ai pas fait d'autres parce que j'aimais pas trop les supports. Et c'est vrai que l'histoire, moi, elle m'a toujours éclaté. Et il faudrait peut-être que je fasse les autres à titre personnel, ou au moins que je les regarde pour comprendre un peu plus l'histoire des Metroid. Parce que là, j'ai vu qu'elle avait des pouvoirs de fou furieux, Metroid. C'était la fille de je sais pas quoi et tout. Oh là là. Horrible. Bon, je vais laisser finir le générique. En tout cas, là, sur Twitch, j'ai réussi à créer un moment. Je sais pas ce que c'est. C'est un nouveau truc que Twitch nous a donné, là, et je l'ai en bêta. Du coup, il me semble que bien, quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un logo et ça sera assigné à un clip. Donc du coup, la fin de Metroid, ça sera ce clip-là. Ainsi que mon premier moment. Donc du coup, la double chose. Voilà. Donc vous me direz ce que ça va donner. Et voilà. On continue à laisser encore ce truc. Un jeu de plus qu'on peut rayer à la liste. Maintenant, prochain truc, le mode terreur. Accrochez-vous. Alors, je réfléchis à quoi ça joue. J'ai encore deux jeux à finir. Il y a Hollow Knight que je dois terminer. Le problème, c'est que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué et je sais même plus où j'en suis. Et il y a aussi Pokémon qui serait un peu plus détente après 7 heures de Metroid dans la journée. J'hésite du coup entre ces deux trucs. Je pense. Après, Hollow Knight, c'est quand même dans la même lignée que Metroid. Vu que c'est son fils spirituel. Donc on va voir. En tout cas, j'avais vu les critiques de Metroid. Elles étaient bonnes. Elles sont méritées. Je l'ai terminé du coup en 11h21 sans faire les 4 trucs dégueulasses. Donc Metroid Zero Mission, que je n'ai pas fait, qui était sur DS. Et qu'il faudrait faire, bien sûr. Allez, mode difficile débloqué. On speedrun maintenant. Donc là, du coup, on a 90% des objets, c'est les 4 trucs qu'on n'a pas trouvé. Donc on était proche du 100%. Et voilà. On va couper pour YouTube, à jamais.